Thank you.
Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bien-aimés, j'encourage avant
à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la paix, à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité, je voudrais donc en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous
sur l'évangile de ce dimanche, il présente une parabole qui a un côté particulièrement actuel, celle de l'administrateur infidèle. Le personnage principal est le fermier d'un propriétaire terrien, figure très populaire également dans nos campagnes, lorsque le système de métayage était en vigueur. Comme les meilleurs paraboles, celle-ci est comme un drame en miniature, plein de mouvements et de changements de scène. La première scène, un coordinateur, l'administrateur et ce patron, et se termine par un licenciement sec. Tu ne pourras plus gérer mes affaires. Le fermier n'essaye même pas de se défendre. Il a mauvaise conscience et il sait parfaitement que ce que le patron a découvert est vrai. La deuxième scène est un monologue de l'administrateur qui vient tout juste de se retrouver seul et ne s'avoue pas vaincu. Il se demande immédiatement comment il peut remédier à cette situation pour se garantir un avenir. La troisième scène, l'administrateur et les paysans révèlent l'escroquerie qu'il vient d'élaborer à cet effet. Et toi, combien de vois-tu ? 105 de blé, Jérôme lui dit, voici ton reçu écrit 80. Un cas classique de corruption et de faux bilan qui fait penser à des épisodes analogues fréquents dans notre société, souvent à une échelle bien plus grande. Et après cela, la conclusion. La conclusion, elle est déconcertante. Ce gère en trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile. Alors la question tout de suite qu'on se pose, Jésus approuve-t-il ou encourage-t-il la corruption? Tout de suite, il faut rappeler la nature très spéciale de l'enseignement à travers les paraboles. La parabole ne doit pas être transférée en bloc et avec tous ses détails sur le plan de l'enseignement moral, mais uniquement pour ce qui concerne l'aspect que le narrateur souhaite valoriser, d'où la pointe de la parabole, peu comme dans un conte. Et l'idée que Jésus a voulu inculquer avec cette parabole, une des idées est claire, le patron loue l'administrateur pour son habileté. C'est le cœur de la parabole, l'habileté. C'est tout. Il n'est pas dit qu'il est revenu sur sa décision de licencier cet homme. En fait, étant donné sa rigueur initiale et la rapidité avec laquelle il a découvert la nouvelle escroquerie, il n'est pas difficile d'imaginer la suite qu'il n'est pas racontée de l'histoire. Après avoir loué l'administrateur pour sa ruse, le patron doit l'avoir sauvé de restituer immédiatement le fruit de ses transactions malhonnêtes ou d'exiler sa faute par une peine de prison s'il n'était pas en mesure de payer sa dette. Ceci, c'est-à-dire la ruse, est aussi ce que Jésus loue en dehors de la parabole. L'habileté, la ruse. Il ajoute en effet Jésus comme un commentaire des paroles de ce patron. Car les fils de ce monde sont plus habiles en eux que les fils de la lumière. Alors maintenant, essayons de comprendre plus en profondeur. Face à une situation d'urgence, alors que tout son avenir était en jeu, cet homme a fait preuve de deux choses. D'une détermination extrême et d'une grande habileté. Il a agi rapidement et intelligemment, même si, vous savez, ce n'était pas de manière honnête. Il a agi rapidement et intelligemment pour se mettre à l'abri. C'est, et voilà maintenant l'enseignement que Jésus nous transmet, c'est ce que vous devez faire vous aussi. Jésus à ses disciples pour mettre à l'abri non pas l'avenir sur terre qui dure quelques années, mais l'avenir éternel. Un philosophe antique, Sénèque, affirmait
Ce qui est en jeu est trop important pour le laisser au hasard. L'Évangile lui-même nous propose diverses applications pratiques de cet enseignement du Christ, notamment la fin de notre texte, celle sur laquelle il insiste le plus concerne l'utilisation de la richesse et de l'argent. Eh bien moi je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent qu'on peut, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les deux mondes éternels. Ce qui revient à dire, faites comme cet administrateur, faites des amis de ceux qui, un jour, lorsque vous serez dans le besoin, pourront vous accueillir. Ces amis puissants, c'est le retournement de la parabole, ces amis puissants, nous le savons, sont les pauvres. Étant donné que le Christ considère que ce que l'on donne aux pauvres, c'est à lui en personne que l'on prend le pauvre. Les pauvres, disait saint Augustin, sont, si nous le souhaitons, nos transporteurs et nos porteurs, qui nous permettent de transférer dès à présent nos biens dans la maison que l'on est en train de construire pour nous dans l'au-delà, le transporteur de porteurs. Encore un petit mot sur cet évangile. Jésus ne loue pas la malice, mais l'habileté à viser. Il loue aussi la fidélité dans les petites choses. Le chrétien doit savoir tirer profit de toute occasion. Il est avisé pour s'en sortir. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que je sais utiliser toute chose matérielle, tout événement qui m'arrive, pour un bien spirituel ? Ça va même jusqu'à l'épreuve, ou même la persécution. Si le chrétien sait tirer profit de tout, saint Paul dit « tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », il sait tirer profit de tout. Alors nous sommes invités à ordonner toute chose vers son sens profond, sa finalité. Et l'argent, il doit, le chrétien, s'en servir pour cette finalité, pour les biens éternels. Pas se servir, mais s'en servir. On pourrait dire que le chrétien est dans le monde, mais pas du monde. Alors, en conclusion, frères et sœurs, je suis sûr que quand vous avez entendu ce texte, on ne peut pas rester indifférent à cette parabole. On a l'impression que Jésus, de manière paradoxale, lui, les pratiques frauduleuses de l'intendant malhonnête. Et alors, l'effet est réussi, justement, par cette parabole. À cause même de son ambiguïté apparente, parce qu'elle frappe le lecteur ou l'auditeur. Alors Jésus peut tirer les leçons essentielles et les développer. On doit savoir être ingénieux, comme un synonyme, ingénieux pour les réalités spirituelles. Et on ne peut à la fois servir Dieu et l'argent. Certes, le chrétien ne peut ignorer les biens de ce monde, immergé dans la réalité quotidienne, il doit apprendre à en user sans s'y laisser enfermer. Tout dépendra des priorités qu'il donne à son existence, Dieu ou l'argent. Savoir utiliser les biens matériels et faire servir aux biens spirituels. Et cela, et c'est la pointe, le plus astucieusement possible. Oui, mais ne pas s'enfermer dans un univers, où l'argent est roi, où il est Dieu. Ne pas se laisser tomber au miracle des satisfactions matérielles ou sensibles. Voilà l'épreuve du chrétien, le signe de sa vitalité. C'est vrai qu'il est dans notre nature d'être attiré inévitablement de ce côté. Il faut donc du courage et la grâce puissante de Dieu pour rectifier constamment son but, pour faire pencher la balance du bon côté, pour reconnaître que l'homme ne trouve son bonheur qu'en Dieu seul et que choisir de l'aimer enrichit plus que tout. Seigneur, accorde-nous le même zèle pour obtenir les biens du ciel que l'intendant malhonnête pour s'assurer une sécurité sur la terre. Nous trouvons tout à fait normal de faire des sacrifices pour notre travail, pour avoir plus d'argent, pour satisfaire nos convoitises, et nous inventons toutes sortes d'excuses quand il s'agit de ton service. Nous sommes prêts à toutes les menaces lorsqu'il s'agit des choses du monde ou de nos intérêts, et nous devenons timorés pour notre vie spirituelle. Merci Seigneur pour l'exigence de ton amour, qui n'admet pas le partage et qui nous veut tout à toi. Tu ne méprises pas les petites choses que nous accomplissons avec fidélité, et par amour. Et c'est à travers elle que tu sens l'authenticité de notre vie. Amen.
bien qu'il conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort et a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Saint Paul, dans la deuxième lecture, vous invitait, et c'est un peu l'ancêtre de la prière universelle, à adresser à Dieu nos prières, pour toutes les intentions, pour ceux qui nous dirigent, etc., pour la justice et la paix du monde. Présentons le Seigneur, au Seigneur, nos intentions avec confiance. Et
Reçois favorablement, Seigneur, les enfants de ton peuple, pour qu'ils obtiennent dans le mystère eucharistique les biens auxquels ils croient de tout son cœur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Élevons votre cœur. Nous le levons vers le Seigneur. Thank you.
garde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les bienfaits de mon avenir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermi la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, en particulier pour Marthe, Georges et Jean Derrien, Jean qui faisait partie de la communauté paroissiale, revenu vers le Père. Et aussi pour Johanna, Préfond. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, je te prie. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce.
De la paroisse.
puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez.